suis Anne Cazobon et ce soir on va libérer des papillons sur le boulevard de Rochechouart juste devant la Cigale. Et on va libérer aussi tous les papillons qu'on a dans le ventre, dans le cœur et dans la tête. Ça va nous faire du bien je crois. Alors il y a beaucoup de bouches dans Paris puisqu'en fait il y a toujours des bouches à portée des stations de métro. Il y en a de moins en moins aujourd'hui parce que dans le 16e arrondissement par exemple on les éteint, on les ferme parce qu'on évite quand même que les sans-abri viennent s'y loger. Et puis en ce moment il y a les exercices pour la crue centenale, donc elles sont de plus en plus emmurées et c'est vrai que ça a été tout un travail de repérage pour essayer de trouver la bonne bouche d'aération pour faire la libération ce soir. Celle qui se trouve devant la Cigale fonctionne et l'idée c'était d'avoir un grand plan, dégager une grande place depuis laquelle on va pouvoir voir cette grande nuée, cet essaim de papillons qui va pouvoir s'envoler. Alors, a priori, ce soir, ça souffle un peu, ça peut aller très très loin. En plus, les voitures passent, les bus envoient, donc on pourra en retrouver, je pense, jusqu'à Anvers et peut-être même jusqu'à la place de Clichy. Alors, ces papillons, c'est des papillons français, c'est une fabrication française. Je les trouve chez un fournisseur dans le 18e arrondissement qui s'appelle Pyrofolies. Ce sont des papillons qui, à la première pluie, à la première versée d'eau dessus, disparaîtront complètement, donc c'est complètement biodégradable.